Quel combat de dingue! Regarde cette petite technique que tu n'as même pas vue probablement lors du combat de Cyril Gane. Regarde. Regarde cet enchaînement de coudes magnifique. Alors, je vais te montrer ça. Donc, la mala est saisie et bloquée par Lewis, d'accord? Le clinch est placé ici, d'accord? Moi, mes deux mains sont sous ses aisselles. Les deux pieds sont sur la même ligne. Voilà comment ils sont posturés. La jambe droite recule, et quand il recule sa jambe droite, la tête passe dessous. Quand la tête passe dessous, il en profite pour jeter son coude. Boum! Il se décale, et quand il sert de l'équilibre, bam! Il vient frapper Lewis. C'est juste magnifique. Le clinch est pris là, de ce côté-là. Il est coincé, les deux pieds sont sur la même ligne. Le cul est sur le grillage. Les deux jambes sont sur la même ligne. Il recule sa jambe, il passe en dessous. Il frappe la tête, il revient, bam! Et il frappe la tête. Le bras est verrouillé. Le clinch est placé. Les deux pieds sont sur la même ligne. On est là, décalage de la jambe droite, la tête passe en dessous, frappe à la tête et retour à la tête. Je te remontre, on est là, les deux pieds sont sur la même ligne, on décale, je frappe, je frappe. Et voilà, on ne peut pas faire mieux. Merci à ma cascadeuse Gigi, la maman de Lily. Ous, à vous de jouer.